Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Suborn. Tibesho est décédé. Il est enterré, ça fait maintenant quelques jours seulement. Mais certains pasteurs sont choqués. Parce que pour un grand pasteur comme Tibesho, un grand pasteur comme ça, comme Tibesho, d'autres pasteurs qui devaient le soutenir ne sont pas venus. Et ce pasteur qui est là est vraiment déçu. Il est aussi choqué. Et il veut parler. Il veut parler. Parce que vraiment, lui, il a du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'on appelle le corps du Christ aujourd'hui? Ou encore, que se passe-t-il? Et par l'anglais, essayez de faire attention. Si vous comprenez l'anglais, vous pouvez aussi nous le dire. Écoutons. I will continue to speak. Il dit, je vais continuer de parler. As long as God give me utterances, I will speak. En tout cas, tant que Dieu lui a la foi, tu vas parler. Firstly, I want to thank God for the successful burial of my spiritual father. En premier lieu, merci Dieu pour le succès de Tibi Joshua. C'est la prophète Tibi Joshua. Even in death, même après sa mort, he remains my spiritual father. Il demeure mon père spirituel. There's something that has been bothering me since on Friday they buried that man. Church, can I ask you a question? Who is Christ? Après le jour, il dit quelques jours après l'enterrement du Dieu Yeshua. Mais attendez, est-ce que tu peux vous poser une question? Les gens disent oui. Il dit, mais qui est Christ? Who is Christ? Qui est Christ? What does Christ stand for? Et qu'est-ce que Christ nous demande? Les gens ils posent la question, qu'est-ce que Jésus-Christ nous demande? What does Christ Jesus stand for? Yeah? Savior. 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 Et les gens disent l'amour. Jesus stand for what? Jesus, Jésus nous demande quoi? Il dit, oh, Jésus-Christ, il a dit Jésus-Christ, il demande l'amour. And I come to discover that there is a big problem in the Christian Church of God today. Very big problem. That even the unbelievers demonstrate love that we that call ourselves Christ followers. How many of you witnessed the burial of that man? People all over the world. Even in Jerusalem, Israel, their country. Delegated people to come and witness the burial of Prophet Tibi Joshua. And I was very, very surprised. Je suis vraiment très surpris. That none of our fathers in faith was there. Il dit qu'il est vraiment surpris que beaucoup de nos pères spirituels n'étaient pas au funérail de Tibi Joshua. Il est vraiment beaucoup. Et il a commencé à se poser la question à lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé dans le livre de Genèse? When Jacob wrote a letter to Joseph and said, forgive the trespass of their brethren. And the Bible says, Jacob wept. What happened? Dieu demande à Jacob de se lever. Even though Prophet Tibi Joshua has been or has offended our fathers in faith, even till death, that none of them could show up. Il dit même si Tibi Joshua a offensé ses grands-pères spirituels, ses grands pasteurs, ah, même après sa mort, on devait quand même abandonner, non? Mais now the whole world. Nigerians, now they now know the true definition of Christian in Nigeria.
Il dit, maintenant, les gens savent la vraie définition d'être chrétien au Nigeria. Have you seen all that you are watching on television is zero for four? If Christ is your John, fire won't happen now. Is any of our fathers in faith that will go to heaven? This is it yourself. What is your face of objectivity, Joshua? Do you know why I'm happy? I am happy because the man is dead. Il dit, est-ce que vous savez pourquoi je suis content? Je suis content parce que cet homme est mort. At least we don't go here again say Timothy Joshua, the prophet of doom. Timothy Joshua, the fake prophet. He don't die, don't die, go now. I am waiting up. Maybe they will say the wife, Evelyn, is not the newest prophet of doom. All the three children. What a shame on our fathers. Quelle honte pour nous, papa, notre père spirituel. What a shame. Quelle honte. A fellow brother in Christ slept. You will, all of you will not move. What legacy are you people laying down for we, the up generation, traditional pastors? Automatically, you are telling us, young pastors, fight yourself, kill yourself, keep malice with yourself. Now, what our father demonstrated through the belly of this man is what I call carcass in churches. So you are telling us now that we, the upcoming pastors, we should start having group. Having group. I want this one, I don't want this one. Some pastors should start killing themselves. If our fathers cannot love themselves, what are we emulating? It's a big shame on our fathers. When late Pastor Darrell of Redeem died, this man sent his condolences. Il dit que quand un pasteur est décédé, cet homme, c'est-à-dire pas Joshua, a envoyé ses condoléances. Mais tous ces pères spirituels du Nigeria, aucun ne lui a envoyé condoléances. And also have a mini prayer, a mini silent prayer for the Redeemed Church and the family of Baba Adeboye. Our grandfather Baba Adeboye, which is TV Joshua. Mais qu'est-ce que ce grand Adeboye a-t-il fait? Il dit encore un autre passé à débrouiller. Qu'est-ce que Tibi Joshua a fait? Il dit, hey, vraiment, 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 qu'est-ce que Tibi Joshua a fait de vraiment si méchant ou encore compliqué que même après sa mort, vous ne pouvez pas lui pardonner? Même pas de Christ et Yakunomi, même Apôtre Suleiman. Ce sont deux autres pasteurs prophètes. W.F. Kumuyi, our great fathers. Are you people telling us that we, the young pastors, should start giving ourselves? We start fighting ourselves? We start hating ourselves? We start fighting ourselves? What is your faith of a TB Joshua that can never be forgiven? Et quelle est l'offense que TB Joshua a fait qui ne peut pas être pardonné? Pour que tous ces pasteurs-là se comportent ici contre ce gars-là. All of you talk about even to his wife and his three children. If not for the man, what happened to the wife and three children? Il dit, bon d'accord, si vous avez un problème avec cet homme, mais par rapport à ses enfants et sa femme. I'm disappointed. Vraiment, je suis très déçu. Je suis très déçu. I wish I am not a pastor. For sweet new oil. And we follow the legacy of my TV Joshua, which is the legacy of love. I will follow it. Young pastors! Let we shine our eyes up! Our fathers have lied to us! They have lied to us! The last word from the mouth of TV Joshua is to watch and pray. Let us watch and pray. Il dit que vraiment, beaucoup de ces pasteurs nous ont menti. Ils nous ont menti. Le dernier mot de Tibi Joshua, c'est veillez et priez. Veillons et priez. Prions. C'est-à-dire veillez et priez. Alors, veillons et priez. Prions.
Eh, Seigneur, moi, j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé. Donc, ces grands pasteurs n'est allé voir quand même la famille, se dire les condoléances. Tchis, Christ, il n'y a que nommé. Et vraiment, moi, j'ai dit peut-être qu'il m'a oublié, peut-être qu'il pensait que Christ, il n'y a que nommé, allait au moins souhaiter les condoléances. Ils n'ont rien fait, ni poste, ni prière, nothing. Ouais. Les chrétiens, je dis là, ce sont les plus dures personnes. Ce sont des gens qui ont le cœur dur, plus dur que ce, plus même que même les gens du monde. Ce sont des gens qui disent qu'ils connaissent la vérité là. C'est parce qu'ils connaissent la vérité là, que le cœur dur comme caillou. En tout cas, vraiment. Moi, je ne suis pas tibio choix, mais je me dis que c'est une question de mort, quelqu'un est décédé. On ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un quand même. Ah, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez.